Hey yo les gens, c'est Monsieur Guitec, comment vous allez? Moi ça va très bien, on se retrouve pour un squad builder équipe cheaté pour 100 000 crédits, voilà une BPL, voilà c'est normal sur FIFA 17, il n'y a que des BPL, voilà moi j'ai jamais vu une Ligue 1 pour l'instant en ligne, c'est que des BPL, BPL, PPL, et je vous ai mis vraiment les joueurs les plus cheat de joueurs de BPL, voilà franchement déjà en attaque c'est du lourd. Voilà, vous inquiétez pas, je vais vous présenter les joueurs. Et franchement, ce squad builder, il faut compter 100 000 crédits, peut-être moins. Voilà. Mais si vous voulez la faire, faites-le, les gars. Moi, je vous le conseille. Voilà. Voilà, pour le premier joueur, il s'agit de Mané, les gars. Voilà, notre Mané, 92 de vitesse. On sait qu'il est cheaté. Voilà, après Eriksen. Pourquoi Eriksen? Parce que franchement, avec ses mauvais pieds, je l'ai déjà testé, il est vraiment énorme. N'Golo Kanté. Voilà, il faut pas réfléchir pour N'Golo Kanté les gars. Après je vous mets Gueye. Après je vous mets ce défenseur parce qu'il a 84 de vitesse et moi je le trouve vraiment pété. Après la défense en BPL c'est simple, hein, c'est Bailly, Smalling. Voilà vraiment des deux grosses murailles de BPL. Bellerin avec sa vitesse les gars, 95 de vitesse, c'est tellement énorme. Et voilà notre gardien qui rend ouf tous les gens sur fut. Voilà, et c'est Martial et je vous ai mis Jesus parce qu'avec les 5 étoiles de technique. Et si vous avez les crédits, achetez-le en hit form. Après je vous conseille d'acheter Gueye en hit form. Pareil pour N'Golo Kanté avec sa version 92. Et pareil pour Mané. Voilà, il a 99 de vitesse à sa dernière hit form. Voilà. Bon bah moi franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous aura plu, un max de likes, abonnez-vous. Marquez dans les commentaires quel squad builder vous voulez pour la prochaine vidéo. Voilà, franchement, faites-le cette équipe. Franchement, elle est tellement pétée. Et si vous avez crédit, comme je vous dis, achetez les joueurs hit form. Voilà. Bon bah moi je vous dis à la prochaine, bye. C'était Monsieur Guitec.